Eh bien, salut tous les amis, c'est Archie, comment ça va? Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on part pour le tuto sur les quêtes, du tout montrer comment réaliser donc ces fameuses quêtes. Mais en tout cas amis, je vous rappelle que le code créateur Archie est toujours disponible dans la boutique et c'est pas à utiliser pour me soutenir, mais également soutenir Archie en achetant vos skins, vos battle pass, énormément de nouvelles promotions sont disponibles dans la boutique. N'hésitez pas à utiliser le code créateur Archie en tout cas pour me soutenir et soutenir la chaîne. Merci à toutes les personnes qui utilisent ou que disons le code créateur Archie pour le soutien, vous apportera certainement. Merci beaucoup pour ça. Les amis, pour cette quête, il va falloir donc aller faire une émote à différents emplacements. Donc, il faudra faire une émote donc à différents emplacements qui sont donc le ballon bigarré au bois flottant et aux assurances au calme. Donc, on va directement aller du côté de Tilted Tower. C'est là où il y a la première zone. Donc, vous voyez que Tilted Tower a un peu changé puisqu'il y a un bâtiment en plein milieu avec un grand ballon. Et donc, nous, on va aller ici donc pour aller faire une émote juste ici. Puisque là, on a le ballon avec le logo au calme. Donc, on va ici et on va donc pouvoir faire une émote juste ici et hop là. Donc là on fait une émote et là donc on a fait donc une émote au ballon aux assurances au calme. Donc là regardez, on fait une émote ici et on est juste premier emplacement, il va falloir faire une émote. Ensuite on va donc pouvoir partir vers le deuxième emplacement, donc on va se retrouver dès qu'on y est. Donc déjà premier emplacement, Tilted Tower, vous avez un gros ballon ici, vous allez juste à côté et vous faites une émote juste en dessous et la première étape sera réelle. Donc pour cette deuxième étape on est à la Tilted, maintenant on va se retrouver du côté de la nouvelle zone en fait, l'ancien Daily Bugle ou maintenant qui s'appelle, qui a un nom différent, il s'appelle, il a un nom bien un peu spécifique, donc on va le retrouver juste après. Donc vous voyez que la nouvelle zone a un peu été modifiée avec le bateau qui était mis en l'air maintenant, et nous on va donc devoir aller faire une émote également donc à un emplacement. Donc on est ici et maintenant dans le bateau, en fait vous allez faire une émote sur le bateau pour ensuite donc pouvoir récupérer et faire l'émote et donc terminer la fin, faire la deuxième étape de la quête au bois flottant. Donc c'est juste ici, vous faites une émote et la quête sera donc, la deuxième étape sera donc réalisée. Maintenant on va se retrouver vers le troisième et dernier emplacement pour terminer la quête. Donc nous voilà donc maintenant au ballon bigarré qui est en fait le zeppelin qui se trouve au-dessus en fait de la bamboche. Maintenant il y a la bamboche, on va faire donc l'émote pour donc terminer cette fameuse quête là. Fallait donc aller aux assureurs, donc à Tilted Tower, au ballon bigarré qui est donc à la bamboche, et également donc c'est le zeppelin hein, et également au bois flotté qui est le ballon et qui est le surtout le bateau qui est dans les airs du côté donc de la zone de Lustrous Lagoon. Donc voilà, maintenant vous savez exactement où aller pour faire les différentes émotes et ainsi terminer la quête. Les amis, n'hésitez pas à laisser un j'aime bien, commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, également à vous abonner pour suivre tout ce qui va arriver prochainement en termes de tutos, d'astuces, de news, énormément de choses en préparation vont arriver sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant à cette même chaîne. Vous avez aussi en description ma chaîne Twitch, mon compte Twitter, mon compte TikTok. N'hésitez pas à aller suivre tout ça, n'hésitez pas pour me soutenir un maximum. On en live pratiquement tous les soirs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch. Bien évidemment, vous avez aussi mon code créateur, n'hésitez pas à l'utiliser pour me soutenir, mais également soutenir la chaîne en achetant vos skins, vos battle pass, nouveaux skins, nouveaux battle pass. N'hésitez pas à acheter tout ça en boutique en tout cas avec le code créateur Archie, bien évidemment. En tout cas, merci beaucoup à des personnes qui utilisent ou qu'utilisons le code créateur Archie pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci beaucoup pour ça. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.